Apprendre, c'est comprendre. Comprendre, c'est répandre. Répandre, c'est enseigner. Enseigner, c'est atteindre. J'espère qu'on va pouvoir atteindre autant de lovers dans la langue anglaise à travers notre émission We Love English et à travers la téléfréquence santé. Hi everybody, it's again me, Mr. K, your teacher of English. Always a huge pleasure for me to be with you and share with you my great love that you already know English. Hello and welcome to all the viewers of Téléfréquence Santé and to all the lovers of English. Okay, bonsoir. Salut et bienvenue à tous les grands amoureux de la langue anglaise et à tous les téléspectateurs de la Téléfréquence Santé. Comme je le dis toujours, avec l'émission We Love English, vous allez transformer votre télé en une réelle école d'apprentissage de la langue anglaise. Ok, bien. Ce soir encore, on est avec deux grands lovers de la langue anglaise, deux grands speakers aussi de la langue anglaise qui sont là avec moi. So, on est avec Mr. Dao Emmanuel. All right, Dao Emmanuel. Yeah. Ok, great. And Abdul Karim Berthe. Ok, donc on est là comme vous le savez toujours, donc ce sont des activités, ce sont des leçons, ce sont des challenges, donc on va partir toujours à travers tout ça. Bon, avant de commencer tout ça, aujourd'hui on a été, comment est-ce que je dis ça là, ému d'entendre et puis de voir ces jeunes enfants parler anglais. Donc ça c'est le travail de Djamou Koulibaly. Mr. Koulibaly qui est en train de faire un énorme travail à côté. Et là, j'ai vu la vidéo et puis j'ai été carrément ému. Donc, je vais partager cette vidéo avec vous. Donc, regardez un tout petit peu ça. And this one is Mela Bagayogo. He is in the fifth form. Conjugate to be. I am. You are. Her name is Fatoumata Nyagati. She is in the second form. What are the 7 days of the week? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. This one is Ali Gindo. He is in the third form. He is going to count from 0 to 100. 0. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 100. Hi ladies and gentlemen, my name is Djamou Djede Koulibaly. I am an English teacher. I teach English from the next school to the 9th form. Today I am at the Zeko. The Zeko is located in Kalabankura, ICE, next to the market, not far from Fairback. And here, we don't learn English, we just acquire English. As you know, we just play with English. English just as a tool for us. Allo, allo? Zeko! Allo, allo? Zeko! Est-ce que vous aimez l'anglais? Yes! Est-ce que vous aimez l'anglais? Yes! What is your name? What is your name? My name is Awa Koulibaly. I count in English. I count in English. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The 7 days of the week are... Voilà, donc c'est toujours comme ça, on partage avec un grand amour, on partage avec notre cœur et on partage parce que on a la connaissance et puis on sait que cette connaissance aussi peut atteindre beaucoup d'autres personnes et peut aussi changer la vie de beaucoup d'autres personnes. Merci Mr. Koulibaly pour cet enseignement. Vraiment, tu es en train de faire un good job. Ok, donc nous
sans plus tarder, on va commencer avec nos activités. Maintenant, c'est the phrasal verb of the week. Okay, great. Today, the phrasal verb of the week is gonna be to turn down. To turn down. To turn down qui veut dire refuser. Et ça veut dire refuser en français. All right? Donc, moi, l'exemple que je vais prendre, c'est I turn down the proposal of Mr. President, Mr. Obama. Ce qui veut dire que j'ai refusé la proposition du président Obama. J'espère que vous avez des phrases en tête là où on est quand même. Donc on va commencer par toi. Ok. With to turn down. Ok, my sentence is do not turn down the decision of your parents. All right. Donc ne refusez pas la décision de vos parents. Impeccable. Impeccable. Ok. Abdul, c'est quoi l'exemple que toi tu vas nous donner? Ok. Turn down the proposal of your friend sometime. Mm-hmm. Explique bien. C'est quoi le sens de ça? Ici, comment dirais-je, de refuser. Ok. So turn down. T'es en train de dire turn down the proposal of your friends. Qui veut dire il faut refuser souvent les propositions des amis. Ok. Ça c'est des mauvais amis peut-être. C'est ça. Non. Il y a des amis. Exactement. Donc, vous qui êtes devant vos télés là-bas, vos écrans, je sais qu'il y a certains qui m'ont déjà dit ça. Il y a beaucoup même qui m'ont dit qui prennent note. Donc, continuez à prendre note. Donc, donnez vos propres phrases là-bas et puis essayez d'apprendre avec nous. Donc, on est là, on apprend des uns et des autres. Ok, donc, after to turn down, comme toujours, on va apprendre. Donc, on ne finit pas d'apprendre chaque semaine, on apprend ici. Et cette semaine aussi, on va apprendre une nouvelle leçon. On va vous donner une nouvelle leçon, vous allez apprendre une nouvelle leçon. Et cette leçon, aujourd'hui, va nous mener à notre prochaine activité qui est the lesson of the week. Ok, bien. The lesson of the week sera quoi cette semaine? Donc, la semaine passée, on avait vu to want plus de verbes, to eat et puis to drink. Donc, ceux qui ont suivi l'émission la fois passée, bon, c'était ça qu'on avait vu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? C'est to need plus de verbes encore. Donc, les deux verbes qu'on va voir aujourd'hui, il y a to take et puis il y a to speak. To take, qui veut dire? Prendre, impeccable. To speak, qui veut dire? Parler, aussi simple que ça. Donc, comment aller le faire? Parler. Ok, bien. To need, maintenant, ça veut dire avoir besoin de. Avoir besoin de. Si tu dis j'ai besoin de, tu dis seulement I need. Donc, on ne cherche pas le midi à 14h. Donc, I need, ça veut dire j'ai besoin de. Ok? Donc, maintenant, si vous voulez dire j'ai besoin de parler. Là, on va dire I need to speak. Donc voilà. Donc on va partir avec prendre d'abord. Donc j'ai besoin de prendre I need to take. Donc c'est la même chose avec to want. Maintenant, on va commencer par need qui veut dire avoir besoin de plus le verbe, l'infinitif du verbe quoi. Donc I need to take. She needs to take. He needs to take et puis voilà, it needs to take souvent donc avec les animaux ou bien les choses. Impeccable. Donc on va partir voir le pluriel.
Les plusieurs déjà, ceux qui ont suivi l'émission depuis le début jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, disons, il y a « we », il y a « you » et puis il y a « they ». Donc, « we need to take ». Nous avons besoin de prendre. « You need to take », vous avez besoin de prendre, tu as besoin de prendre. Et puis « they need to take », ils ont besoin de prendre ou elles ont besoin de prendre. Aussi simple. C'est ça aussi. Alright? Yeah. Alright, great. Maintenant, à la forme négative. Donc, à la forme négative, comme je le dis toujours, on utilise toujours don't, do not, qu'on contracte. Lorsqu'on contracte do not, ça devient don't. Donc, do not devient don't. On prend do not, et puis on ajoute le verbe. Donc, le verbe ici, c'est to need d'abord. Donc, I don't need to speak ou bien to take. Ok. Maintenant, après ça, on a quoi encore? I don't need to speak ou bien to take. Après I, on a quoi? Do not. You don't need. Donc on va prendre he. On va prendre les singuliers d'abord. Okay, okay. Donc he doesn't. Yeah. He doesn't need to. To take ou bien to speak, yeah. Ou bien she doesn't need to take ou bien to speak, peu importe le verbe que tu peux ajouter. Donc la semaine passée on a vu eat, donc she doesn't need to speak ou bien she doesn't need to eat ou bien she doesn't need to drink, qui veut dire elle n'a pas besoin de boire, elle n'a pas besoin de parler ou bien elle n'a pas besoin de manger. Donc cela dépend du verbe qui va suivre quoi. Voilà, donc ça c'était le singulier. Maintenant, au pluriel, comment est-ce qu'on va dire? You don't need. You don't need to. On prend you, mais oui. Bon. On commence par nous, quoi, ok? Yeah. Donc, we don't need to speak. Ou bien to take. Yeah. Ou bien to eat, ou bien to drink. Donc, après ça, il y a you don't need to speak, qui veut dire vous n'avez pas besoin de parler, yeah. ou bien quoi, tu n'as pas besoin de parler. Ça, c'est you don't need to speak. Yeah. Et après, il y a they don't need to speak, qui veut dire ils n'ont pas besoin de parler, ou bien yeah. Elles n'ont pas besoin de parler. Voilà, je pense que ça, c'est à peu près une leçon pour les débutants, une leçon simple à comprendre, une leçon importante aussi à apprendre. Voilà, donc j'espère qu'il n'y a pas de points à souligner quand même dans tout ça. Non, c'est sûr? Non, il y a pas. Vous n'avez rien à souligner? Non. Ok, donc on va partir maintenant voir la forme interrogative. Ok, maintenant la forme interrogative, donc comme je le dis toujours, on ne peut pas conjuguer un verbe ordinaire à la forme négative et à la forme interrogative sans conjuguer d'abord to do à la forme interrogative ou à la forme négative. Donc, comment on va conjuguer to need plus un autre verbe à la forme interrogative? On va d'abord conjuguer maintenant quel verbe to do à la forme interrogative et après on va ajouter le, voilà, to need plus le verbe qui va suivre à l'infinitif. Yeah. Donc, do I need to speak or to take, yeah. Ou bien to take, ou bien peu importe, do I need to, donc ai-je besoin, ou bien est-ce que j'ai besoin de parler, donc très simplement, est-ce que j'ai besoin de parler, do I need to speak, do, on va prendre do, on va partir vers does he need
to speak ou bien to take. Est-ce qu'il a besoin de parler? Est-ce qu'il a besoin de prendre? Yeah. Does she need to speak ou bien to take? Yeah. Est-ce qu'elle a besoin de parler ou est-ce qu'elle a besoin de prendre? Yeah. Ok, voilà. Après ça, qu'est-ce qu'on a? Le pluriel. Donc, tout est doudou maintenant. Do we? Avons-nous besoin de parler peut-être? Do we need to speak? Ok. Do you need to speak? As-tu besoin de parler ou bien avez-vous besoin de parler? Do they need to speak ou bien do they need to take? Donc, est-ce qu'il ou elle avec S ont besoin de parler? Ont-ils besoin de parler? Ont-elles besoin de parler? Voilà. Bon, pour faciliter, souvent, il faut dire est-ce que c'est le mot en fait. C'est juste une question. Donc, peu importe la formule que vous allez choisir là-bas, il faut que ça soit juste une question. Quoi, en tant que tel. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris quelque chose, les débutants. Donc, si vous avez des questions, comme je le dis toujours, bon, le numéro va s'afficher là-bas. Appelez, posez vos questions, envoyez-moi un message sur WhatsApp. Voilà, ça me fera beaucoup, beaucoup plaisir de répondre aux questions par rapport aux leçons. Ok, voilà. Donc, après la forme interrogative, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va un peu se challenger. Donc, on s'est un peu concentré maintenant. On va essayer de se déconcentrer un tout petit peu. Donc, pour se déconcentrer, rien de plus cool qu'un peu de challenge. Donc, moi, je vous propose quelque chose de cool encore. Et je sais que la leçon était cool pour vous. Oui. Et là, encore plus cool sera notre next activity qui est Your last letter is my first letter. Alright. Ok, je vois que tu connais déjà l'activité. Yeah. Ok. Donc, il a l'habitude de regarder ça. Impeccable. Et bien sûr, ma relation avec Dao, c'est trop cool. Bon, c'est quelqu'un qui commente trop mes trucs sur Facebook. Donc, je l'ai recensé là-bas et puis voilà, aujourd'hui on est ensemble ici. Lui, il va partager avec vous son amour et puis voilà, son plaisir d'être ici aussi peut-être. Impeccable. Donc, c'est la même chose aussi. Comme je le disais, presque mes connaissances, tout est WhatsApp maintenant. Tout est WhatsApp et Facebook. Donc, c'est le même cas avec Abdoul ici. C'est le gros village. Ok, voilà, le gros village, comme tu as dit. Maintenant, c'est simple les règles. Donc, pour ceux qui suivent l'émission depuis le début, donc vous savez que le nom déjà est indicatif. Donc, your last letter, qui veut dire ta dernière lettre, is my first letter, est ma première lettre. Donc, c'est aussi simple que ça, ok? Donc, on va forcément commencer par toi. Donc, tu vas donner un mot et puis Dao va essayer de donner maintenant aussi un mot en fonction de la dernière lettre de ton mot, ok? Voilà, donc, je pense que c'est ok? Yeah, let's go. Alright, so, you can go. Donc, non, vous allez le dire seulement, vous allez juste le dire. Et moi, je vais juste écrire, ok? Voilà. Ah, non, il ne faut pas être pressé. Il faut pas être pressé. Ok, donc là, on va... Quand j'ai des top chrono, d'aller partir. Si tu dis learn comme ça, tu lui donnes assez de temps pour qu'il puisse voilà, réfléchir sur ça. Ok, donc... allons-y. Okay, learn. Near. Thick. Equal. Near. La fin de near, c'est quoi? Pardon? I said learn. Il a dit near. Near. La fin de near, c'est quoi? C'est R. Effectivement. Right. donc, non, c'est fini maintenant. Il a un point. Non, normalement, on est take. Dans le texte, c'était comme tu l'as dit, peut-être, right, something like this. Je n'ai pas compris. Pas compris, je parlais tout de suite, t'étais où? Ok, Abdoul, bien, ça fait un, c'est pas facile. Je le dis toujours ici, moi, perso, je déteste ça. Je déteste passer par ça. Donc, si je vois les autres, c'est stressant, n'est-ce pas?
Non, c'est hyper challengeant. On va dire challengeant, quoi, en fait. Challenging, alright. Ok. On recommence maintenant. C'est toi qui commence. Ok, good. Good. Door. 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 Return. Non, c'est fini. Oh. Oh, j'ai pas compris, en fait. Non, je viens t'expliquer ça, non? Avant de commencer. Donc, moi, je lui donne des mots d'abord, après lui, il me donne des mots. Oui, bien sûr, il te donne, tu continues, ça sera jusqu'à ce que la personne. C'est bon, voilà. C'est bon. Non, c'est fini maintenant, il a 2 points déjà. Donc, 2 points. Ok. Non, maintenant, c'est le dernier virage. Ok. Donc, et je compte sur toi. Pour quand même à remporter ça. Ouais. Ok, bien. Voilà, malgré que personne ne remporte absolument rien ici, c'est l'anglais qui gagne toujours à chaque fois. Voilà, donc toi, tu connais déjà les règles d'ici. Ok, allons-y jusqu'à présent. Look. King. King. Good. Good, yeah. Gray. Oh. Aïe. Donc il y a deux. Yeah. Ce qui soit disait dream. Yeah. Ok, maintenant t'as gagné. C'est pas fini là. Oh, c'est fini. Voilà, c'était ça. Comme je le dis toujours, bon, c'est toujours cool de voir les gens en train de se challenger, surtout les gens dire les mots. Les mots qu'ils ont dit, vous l'avez vu déjà, vous avez le sens de ces mots. Donc ça peut vraiment contribuer à enrichir votre vocabulaire aussi. Voilà, donc ça c'était Your last letter is my first letter. Yeah. Donc j'espère que vous aussi, vous aimez courir contre le temps. Yeah. On court toujours, mais on ne peut jamais rattraper le temps. Donc on va voir comment est-ce que vous allez utiliser le temps pour trouver ce dont vous avez besoin de trouver. Donc, notre next activity right away gonna be You Against Time. Ok, bien. Donc, l'activité est simple. You Against Time, c'est quoi? Donc, c'est bien sûr, vous contrôlez le temps. Yeah. Bien sûr. Donc, le temps que je vais vous donner ici, ce n'est pas du temps. C'est juste quelques secondes. Yeah. Donc, quelques secondes aussi, ça veut dire 30 secondes seulement. Yeah. Donc, en 30 secondes, vous allez forcément tout faire pour trouver autant de phrases que possible. Donc, si je me rappelle bien, les records ici, c'était 7 phrases en 30 secondes. Donc, ça, c'est quelque chose d'énorme. Donc, maintenant, c'est à vous de voir si vous allez pouvoir quand même battre les records. Donc, soyez prêts, prenez vos stylos. Lorsque j'ai dit top, vous allez partir. Vous n'écrivez rien d'abord. Non. Maintenant, regardez maintenant là-bas. Vous allez attendre le chrono. Ok. It's okay. It's all okay. It's all right. It's all right. Okay, great. I hope that everything's all right. Yeah. C'était comment? How was it? It was amazing. Amazing. Yeah. Yeah. How was it? It was a little bit tough. Yeah. You know, it's not easy to run against, you know, against time. It's really a tough, you know, task. All right. And here I can see 5 sentences, and you got four sentences. All right, that's great. So we're gonna start with you, and how can you describe your sentences? Okay, I'm English learner. I'm English. Qui veut dire? Je suis un apprenant de la langue anglaise. La langue anglaise, okay. Yeah. All right. Après ça? Okay, I'm English speaker. Okay. English speaker. Mm-hmm. I'm English teacher. I'm English speaker aussi, qui veut dire? Qui veut dire, je suis
Je parle l'anglais. Voilà, ok. Yeah. C'est quelqu'un qui parle l'anglais. C'est quelqu'un qui parle l'anglais, en fait. Yeah. Yeah. Mais bon, on peut aller. Donc, pour être rapide, oui. Il a utilisé am seulement. Ah, am Lisa. Ok, cool. I'm English teacher. Ok, t'es ça aussi. Yeah. Ok. Et puis, I'm a student. Yeah. Donc, toi seul, t'es tout ça. Ok, normalement, I am normalement like an English learner. Je suis un apprenant. Donc, même si t'as pas mis ça, bon, ça se comprend carrément quoi. Ok, impeccable. Donc, maintenant, on revient vers toi maintenant. Yeah, I got five. You got five? Sentences. Okay, good. The first one is God is good. Yeah, God is good. Yeah. The second one, I love English. I love English like we love English here. Yeah, yeah. Like that the sentence, you know, too much. I think it's because of that we're here today. Yeah, this is the point. Yeah. The third one, we happy. Yeah, great. We're happy. Qui veut dire? Nous sommes heureux, nous sommes contents. Okay, d'abord, God is good. Qui veut dire? Dieu est bon. Okay. I love English, j'aime l'anglais, donc même si tu traduis pas ça, tout le monde doit comprendre ça déjà. Tous les deux verbes, ça. We're happy. Yeah, nous sommes heureux, nous sommes contents. Impeccable. Yeah. The fourth one, she goes home. Okay. Elle va à la maison, elle part à la maison. Okay. Yeah. The fifth one. Let us go. Qui veut dire? Allons-y. Impeccable, donc j'espère que vous avez eu certains nouveaux mots pour les débutants. Yeah. Et voilà, j'espère que vous avez adoré les voir courir contre le temps. Donc ceux qui sont en train de regarder et qui sont en train de rire d'ici et qui prévoient de venir ici, vous allez savoir ce que c'est. Pas du tout facile, mais impeccable, donc c'est toujours ça. On fait tout ça par amour pour cette langue que nous adorons. All right. Après ça, bon voilà, vous êtes un peu fatigué, je l'espère. On va partir se détendre un tout petit peu à travers notre activité qui va venir tout de suite. Quand on parle de détente, on parle de quoi? On parle de quoi maintenant? De musique. Voilà, déjà vous voyez là où je vais partir. Donc notre next activity is the music of the week. Ok, alright, donc chaque semaine une nouvelle musique, donc la musique de ce soir, c'est Sam Smith, donc la musique s'appelle I'm not the only one, je pense bien, I'm not the only one, ok, not the only one seulement quoi, donc not the only one, ça c'est la musique que vous allez écouter tout de suite, mais ce qui sera dit dans la musique, c'est à vous de décortiquer ça, donc vous allez get ready. On va mettre déjà vous connaissez les règles, donc la musique va passer tout de suite, donc vous allez écrire tout ce que vous allez comprendre, donc tout ce que vous allez comprendre vous écrivez ça. Okay. Is that right? Yeah. Great. Okay, get ready. My bête noire. Bête noire. Yeah. Your pet peeve. It's not my cup of tea. Anyway, let us check it. You and me, we made a vow. For better or for worse, I can't believe you let me down. But the proof's in the way it hurts. You and me, we made a vow. For better or me down, but the proof's in the way it hurts. You and me, we made a vow, for better or for worse. I can't believe you let me down, but the proof's in the way it hurts. Thank you.
Ok, c'est alright, c'est fini comme ça. J'espère que vous avez aimé, même si je vois que vous avez détesté. Ok, depuis, avant de commencer, il avait dit que c'est à peu près sa bête noire. Ça. Tu veux rien à la musique. Ok, donc il n'aime pas la musique, lui. Chose qui est bizarre, je pensais quand même lui donner un peu de détente, mais malheureusement, je ne lui ai pas donné la détente qu'il fallait. Ok, Abdul, yeah. C'était comment? Oh, c'était dur. Dur, yeah. Abdul, mais tout devient dur ce soir là. La musique avec du bruit, c'est pas facile. Ah, ok. Donc, je le dis toujours chaque semaine ici, c'est pas facile. C'est pas facile et puis c'est pas facile. Voilà. Donc, on essaie d'écouter. Et puis, cette traduction qu'on va faire ici, c'est la traduction We Love English. C'est pas comme si, voilà, Sam Smith aussi avait décidé de traduire ça comme ça. Non. Oui, les gens ont décidé de traduire ça pour lui. Non, la traduction qu'on va faire, c'est ici, quoi. Donc, voilà. Donc, on va aller. Et il a dit quoi? You would need. You won't be with me. Okay, you won't be with me. Yeah. Okay. You and me, we made a vow. You and me, we made a vow. You and me, we made a vow. Donc, il veut dire, toi et moi, on a fait un vœu. Yeah. Voilà, donc c'était ça qu'il disait. Okay. Après, il a dit, for better. I didn't get that point. You didn't get the point. You need it. Okay. Done. For better or for worse. 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 Donc pour le meilleur et pour le pire. C'est bon? Yeah. Donc vous entendiez seulement, il disait ni. Ça, quand même, ça m'a trip. Ok, il n'y a pas de problème, donc. il est en train de chouquer là-bas. Ok, et il a dit, I can't believe. Let me down. I can't believe you let me down. I can't believe you let me down. Ok, voilà, t'as entendu cette partie, c'est ça que t'as dit? Non. Hein? Pardon? C'est ça que t'as dit? Let me down. T'as pas eu ça non plus? Non, j'ai pas eu ça. Ok. I can't believe you let me down. Alright? Yeah. So, qui veut dire? Ma bonne, je peux pas vous croire. Mm-hmm. Voilà, que vous me laissez tomber. Vous me laissez tomber. Ok. Donc, vous m'avez. Voilà, je peux pas croire que j'ai été abandonné quoi par toi en quelque sorte. Donc, voilà. Là, comment il a trouvé cette partie? Ok, but. But anyway. Mm-hmm. Abdul? Yeah, nothing. Nothing? Yeah. But the proof is in the way that it hurts. But the proof's in the way it hurts. But the proof's in the way it hurts. Write this. Yeah, but the proof is in the way that it hurts. Mais la vérité est dans la manière dont ça fait mal. Donc c'est comme ça quoi. C'est un peu de poésie. Je sais pas ce qu'il veut dire par là. Les mots de la poésie sont compliqués, wow. N'est-ce pas? Non. Bon, moi aussi j'ai écouté. Je le dis, j'ai pas checké des lyrics. Donc j'ai entendu juste comme ça. Non, peut-être que quelqu'un d'autre a entendu quelque chose d'autre. Donc, si vous avez entendu quelque chose d'autre, donc, il faut nous faire signe. Carrément. Voilà, donc je pense que c'était tout pour musique. La vérité est quand même. La preuve, souvent, est blessante. Bien sûr. Parce que. Je pense que c'est ça qu'il veut dire. La preuve est blessante. Peut-être qu'elle a eu la preuve. Qu'elle était trompée. Oui. Parce que la chanson même c'était Not the only one. Donc voilà, je sais que je ne suis pas l'unique quoi, voilà, ou bien la seule. Ok, c'est bon. Voilà, donc après ça, Abdul, yeah. J'espère que tout va bien. Oui, tout va un peu bien. C'est sûr? Un peu bien. Juste un peu bien. Yeah.
Ok, j'espère quand même que vous adorez les lettres. Yeah. Les lettres? Yeah. Abdou, les lettres? Bon, un peu. Ok, juste un peu. Ouais. Ok. Je sais pas. Abdou, ça va? Juste un peu. Oui, ça va. Abdou, tu veux manger? Non. Juste un peu. Non. Ok, bien. Donc, comme il aime juste un peu les lettres, donc je vais lui donner juste un peu de lettres. Donc, cette fois-ci, ça nous mène à notre next activity qui est Find 5 Words. Ok. Find 5 Words. Ça, c'est notre next activity. Les règles, très simples. Vous allez voir des lettres ici devant vous, ouais, dispersées, des syllabes. Donc, vous allez essayer de trouver 5 mots à travers ces lettres et puis ces syllabes. J'espère que c'est compris cette fois, Abdou. Oui, c'est bien compris. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Dao, déjà, je sais que lui, il connaît parce que lui, il a suivi. Donc, vous allez juste vous. Lui, il a suivi beaucoup d'émissions. Donc, vous allez juste vous préparer. Et puis, je pense qu'on doit aller. Hein. Ok, all right. Donc, ça faisait combien déjà? 5 minutes. Yeah. Ok, Abdou. Yeah. C'était comment? Bon, dur encore, hein. Plus que les autres. Dur plus que les autres. Ok, c'était comment? Ah, cool. Cool. Yeah. Lui, il dit cool.
Ok, donc si c'était cool, ça veut dire que c'était cool. T'as combien? 4. 4. T'as combien? 1, 2, 3, 4. 4, 2. Toi aussi 4. Yeah. Ok, il reste à savoir si c'est 4, ce sont des vrais 4. Ok, on va commencer par toi, Abdul. Yeah. T'as eu? Apple. Ah oui. Après? Cheers. Cheers, ok. Go. Ok. Donc, Apple. Ok. Pencil. Yeah. Cheers. Yeah. Pupil. Impeccable. Impeccable. Les quatre sont là. Yeah. Donc, vous pouvez regarder. Yeah. La réponse, c'est devant vous. C'est le mango là. Donc, oh. Tu peux regarder en rouge. Donc, pupil. Donc, on va dire orange comme ça. Il y a mango. Et en noir, c'est cheers. Ok. Yeah. Et apple. Yeah. Apple, c'est en bleu, n'est-ce pas? Oui, et puis, il y a pencil en rose. Okay. Donc, c'était pencil. Ok. Voilà, donc déjà toi, t'as eu ça. C'était mango seulement que t'as pas eu. Oui, donc. J'ai cherché ça, mais bien. Alors, Abdul, je pense qu'Abdul, il a sommeil. Ah non, je pense pas. Are you sleepy? No, I'm not sleeping. You're not sleepy? Yeah. Okay, great, you know. Because it is like you're not, you know, like saying, you know, everything the way you should see them, right? Yeah. What is the deal? No, this game is really tough for me. It's tough. Even in telephone. No. Ah, okay. It's difficult. Yeah. Yeah, sometimes it's difficult. Donc, il dit que c'est un peu difficile. Yeah. Donc, même les autres jeux de mots, quand même, c'est difficile pour lui. Donc, c'est pas pour lui, non, c'est terrible. Impeccable, impeccable. Yeah. Moi, j'étais un peu perdu. J'ai regardé pour bien voir si j'ai. C'est le même là. J'ai regardé Go et puis le. Ok. Donc, alors que tu avais tout. Si tu avais. Non, je vais pas dévoiler les secrets ici. Sinon, il y a d'autres qui vont venir utiliser les mêmes trucs, donc c'est bon. Voilà. Donc, je pense que vous, là-bas, derrière vos écrans, j'espère que vous avez quand même pu trouver plus que ça. Parce que les records derrière l'écran, c'est 5 mots. 5 mots. Voilà. Personne n'a pu atteindre les 7 mots d'abord. Donc, big up à toi, Jack. Et puis, big up à toi, Barry. Donc, Jack a eu 7, Barry avait eu 6. Mais je pense derrière l'écran, quelqu'un avait eu 6. Bon, pour quelqu'un qui me l'a dit, donc je vais essayer de croire que la personne a eu ces 6 mots. Ok, voilà. Donc, on va passer sans plus tarder. Donc, on va partir regarder un peu de movie. Et ça nous mène à notre next activity, the movie of the week. Ok, bien. Donc, comme d'hab, j'ai choisi une petite partie, un petit extrait d'un film, une partie que j'ai aimé, une partie qui est pleine de conseils, une partie qui peut surtout, un extrait qui peut surtout aider certaines personnes à faire certaines choses, ok? Voilà. Donc, comme pour nous, c'est English. Our love is English. Everything, you know, in our lives, you know, is like English. Yeah. So, for real, we're gonna go for English movies. So, get ready. I think it's better for you to turn this like this, okay. Even for you. So let's go. Now you're gonna write down everything, right? Yeah. That you. What is it? I can't keep it to myself anymore. Honestly, I didn't know that marriage would be this hard. I don't know what I've done to my husband for him to detest me so much. Wait, I don't understand. I mean, I see you guys on Facebook, Instagram, looking all happy. What changed? What's going on? Social media, right? Don't believe everything you see on social media. What is it? I can't keep it to myself anymore. Honestly, I didn't know that marriage would be this hard.
don't know what I've done to my husband for him to detest me so much. Wait, I don't understand. I mean, I see you guys on Facebook, Instagram, looking all happy. What changed? What's going on? Social media, right? Don't believe everything you see on social media. What is it? I can't keep it to myself anymore. Honestly, I didn't know that marriage would be this hard. I don't know what I've done to my husband for him to detest me so much. Wait, I don't understand. I mean, I see you guys on Facebook, Instagram, looking all happy. What changed? What's going on? Social media, right? Don't believe everything you see on social media. Okay, I think it's all right. Yeah. Great. I'm gonna start by asking the guy, you know, Abdul, how was it? Yeah, it was a little bit. Yeah, finally the guy said fine. Okay, great, you know? Yeah. Though. Unlucky. Okay? Yeah, so cool. Okay, great, let's go. This movie here, I think they're talking about marriage, all right? Yeah. And the other lady crying discovers that the really marriage is not something easy. All right? The marriage, c'est pas quelque chose de facile. Yeah. C'est ça que l'autre, bon, demoiselle, on va dire femme, parce qu'elle est mariée, en larmes disait. Voilà. Mais est-ce que vous avez compris ça quand même? Le contexte, vous avez compris? Oui. Ok, donc on va partir. Donc l'autre, la fille qui était là, ça c'est vers le côté. À gauche. À gauche, ok. Yeah. Voilà. La fille qui était là a dit quoi? What is it? Yeah. Je ne sais pas si vous avez compris la partie. Elle a dit what is it? 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 What is going on? Non, avant what is going on, elle a commencé par what is it? Non, après what is it? Donc l'autre a dit I can't, celle qui pleure a dit I can't know. Okay, vous n'avez pas vu. Okay, I can't keep it to myself anymore. 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 Yeah. Ok, j'espère que vous vous rappelez de la partie. Oui. Ok. Donc, après, qu'est-ce qui suit? Honestly? I don't know. Mm-hmm. That Maria will be decided. Ok, decided. Ok. Uh-huh. I don't know that my marriage. I don't know what is done, my husband. Ok. Alright. Honestly, elle a dit, I didn't know that marriage would be this hard. Honestly, I didn't know that marriage would be this hard. Honestly, I didn't know that marriage would be this hard. This hard. Alright. Yeah. Alright, get it? Yeah. Donc, honnêtement, je ne savais pas que le mariage allait être autant dur. Oui. Voilà, c'est comme tu l'as dit, c'est dur. Ok. Pof. On passe. Voilà. Elle a dit maintenant, I don't know what I've done to my husband to detest me so much. Ok. Yeah, exactly. Exact. Ok. Bon, perso, moi j'ai trouvé. c'est bien ce que tu as dit, mais la petite différence, I don't know what I've done to my husband for him to detest me so much. I don't know what I've done to my husband for him to detest me so much. I don't know what I've done to my husband for him to detest me so much. I don't know what I've done to my husband for him to detest me so much. Yeah. Donc, je sais pas si c'est moi qui ai bien entendu, mais voilà, les deux. Donc, for him to detest me so much, c'est ça que moi j'ai entendu. Yeah. Donc, peut-être que je me suis trompé, je ne sais pas. Mais vous qui allez regarder ça, vous allez trouver la bonne version, je pense. Voilà. Donc, après. L'autre a dit, wait, I don't understand, I mean. Et puis elle a dit, I saw this guy looking at you. Looking at you. Okay. Now I saw this guy happy on Facebook. Happy on Facebook. Yeah. Okay, great. Donc, I saw you guys on Facebook. Donc, c'est comme si je vous ai vu sur Facebook. Donc, ce qui veut dire que les mariés là, ils ont posté des photos sur Facebook. I saw you guys on Facebook.
Instagram looking all happy. I see you guys on Facebook, Instagram looking all happy. I see you guys on Facebook, Instagram looking all happy. Yeah. Donc, je vous ai vu sur Facebook, je vous ai vu sur Instagram. Donc, vous aviez l'air tout heureux, quoi. Ouais, yeah. Voilà, tout heureux. C'est bon? Oui. Voilà, ok. What changed? What is going on? Maintenant, ton what is going on est là. Yeah. What is going on? Et puis, l'autre a dit social media, right? Yeah. Et puis, l'autre dit don't. Elle a dit quoi, la fille là? Don't. Parce qu'en général, la fin, on ne trouve pas. Parce qu'on n'arrive pas à ce niveau. Yeah, forget this. Donc, toi, tu es limité à au niveau de what's going on. Yeah, okay. Aussi, donc, what's going on? Yeah. Ah ouais, carrément. What's going on? Donc, elle a dit, don't believe everything you see on social media. Don't believe everything you see on social media. Don't believe everything you see on social media. Vous avez entendu, non? Yeah. Ah ouais. Parfois, c'est pas facile de capter. Mais quand on dit seulement, vous allez voir carrément que c'était ça qui était dit là-bas. Yeah. Voilà, donc, elle a dit, social media, right? Donc, tu parles des réseaux sociaux, n'est-ce pas? Donc, don't believe everything you see on social media. Donc, ne crois pas à tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Donc, c'est totalement vrai. Donc, le mariage, ce qui dit que souvent, il y a des trucs derrière le mariage que les gens ne voient pas. Donc, souvent, c'est de l'apparence. On est là, on voit quelque chose. Voilà, l'extérieur, voilà, mais l'intérieur même du mariage, Dieu seul sait ce qui se passe là-bas. Donc, j'espère que les gens vont se comprendre et j'espère qu'on va essayer de mettre un peu d'harmonie entre l'intérieur des mariages et puis l'extérieur des mariages. Donc, elle affichait avec son mari des belles images sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, alors qu'à l'intérieur, c'était l'enfer. L'homme même passait 3 jours sans même venir à la maison souvent. Donc c'était un film qui m'a un peu plu, vous ne pouvez pas dire qu'il m'a trop plu même. Donc j'ai décidé de partager cette petite partie quand même que j'ai aimée avec vous. Donc on sait que les femmes supportent beaucoup. Donc si celles qui supportent continuent à supporter et les hommes qui sont en train de tromper jusqu'à présent, on vous dit arrêtez un peu de tromper, voilà. Voilà, donc en quelque sorte c'était ça. Yeah. Et it was, you know, that. Bon, the activities, movies, music, challenge, you know. It was interesting. Interesting, yeah. Right? Yeah. Okay, great. So we're going to make it more interesting. I think that you got more interesting things to share with people there. So je pense que vous avez encore, parce qu'ils ont dit que c'était intéressant, j'ai dit, est-ce que vous avez d'autres choses plus intéressantes à partager, d'autres choses plus intéressantes à partager avec les gens qui nous suivent. Donc, pour ça, on va d'abord partir toucher notre activité qui est Meeting with English. Ok, impeccable. Donc, on y est. C'est presque la fin, mais ce n'est pas la fin. Il reste des conseils à écouter, il reste des expériences à partager. Donc, Abdoul, je pense que je vais te faire parler. Donc, tu fais l'université, non? Oui, bien sûr. Tu es en train de faire anglais là-bas? Oui, l'anglais. Impeccable. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé vers ce choix? En anglais ou en français? Bon. En français, parce qu'on est en train de partager avec les amoureux de la langue anglaise. Okay. Mais on veut pousser d'autres qui n'aiment pas l'anglais à partir vers l'anglais. Okay, donc pour ça, il faut les convaincre dans leur langue. Et tu peux panacher aussi, il n'y a pas de problème. Okay. Donc souvent, si tu dis que je suis en anglais, tu dois traduire forcément en français. Quoi. Parce qu'il y a des débutants. Voilà. D'abord, j'ai remarqué que la langue anglaise, c'est parmi les langues les plus parlées au monde. Okay. Et puis c'est une langue aussi qui est très importante dans le business. Et puis voilà. Okay. Et les organisations internationales, ouais. Voilà, les entreprises internationales, ils ont besoin des jeunes qui peuvent bien s'exprimer en anglais. En anglais, donc c'est pourquoi je me suis dit, voilà, pourquoi ne pas aller
Merci. Et puis faire l'anglais. Faire l'anglais. Ok. Donc. Puis voilà, surtout aussi dans les pays francophones, étudier l'anglais ou bien être fort en anglais, c'est. C'est un atout. Être prêt, voilà, c'est un atout. Voilà. Donc, en fait, c'est. C'est ça, c'est vraiment. C'est ça. Donc, tu aimes trop l'argent, quoi. Bon, voilà. J'essaie de gagner la vie. Donc, tu aimes trop l'argent. Bon, j'aime pas trop l'argent, mais j'aime le bonheur, en fait. Ok, le bonheur. Voilà. Ok. Donc, tu trouves que le bonheur, c'est dans l'anglais maintenant? C'est bon, l'anglais quand même. C'est un chemin pour arriver voilà, au bonheur. Au bonheur, oui. Un peu comme. Yeah. Ok, il n'y a pas de truc derrière ça? Bon, je pense pas. Mm-hmm. Donc, juste pour l'amour de l'argent et puis. L'amour, pour... bon, l'anglais même, je l'aime bien. Ah, voilà. Et puis, dans les grains des jeunes, voilà, quand tu parles l'anglais, tu es intéressant. Tu vois, même dans le grand. Ouais, t'es attirant. Voilà, ça attire les gens. C'est quoi cette expérience? T'as une fois vécu ça? T'es là, quelque part, quelqu'un t'appelle, un ami qui parle l'anglais. Et puis tu décroches. Ouais. Ça m'est arrivé une fois. Et chaque fois même, ça m'arrive chaque fois. C'était énorme, énorme. Je sais même que demain et aujourd'hui même, ça m'arrive. Okay. Moi aussi, je suis un bluffeur. Chaque fois qu'on m'appelle, je sais. Voilà, je suis en vie, quoi. Parler à mes mères. Les jeunes filles qui viennent, ils disent qu'il y a ces mecs-là. Il parle l'anglais. Ah bon, voilà. Il est en train de dire vraiment pourquoi il est parti à prendre l'anglais. Peut-être que c'est même pas pour les business. Non, c'est pour les business. Ok, yeah. Alors c'était énorme. Donc, le cas qui m'est arrivé, je ne sais pas si ça t'est arrivé toi aussi. Oui, okay, ça plusieurs fois. Plusieurs fois, toi aussi tu bluffes. Et puis, non, je ne bluffe pas. Ah, tu ne bluffes pas comme lui, quoi. Ouais, moi-même, je bluffe. Comme il a dit, ça attire quoi. Ok. Tu attires l'attention de tout le monde en même temps. Carrément. Voilà. Et on te regarde sur En effet, tu es regardé. Voilà. Ok, je ne sais pas si la personne est en train de me regarder maintenant. Je sais pas, le jour où j'ai reçu un appel, tu étais là-bas avec, je sais pas, c'est ta sœur ou je sais pas qui. J'ai reçu l'appel seulement et j'ai commencé à parler. Et puis, la personne a frappé sa tête, tais-toi. Et la personne dit, est-ce que tu entends comment est-ce qu'il est en train de parler? Comment est-ce qu'il est en train de parler cette langue-là? C'est énorme. Et puis, non, carrément, la personne est restée là, elle ne faisait que me regarder en train de parler. Moi, je me suis senti un peu gêné. C'est l'admiration que tu as. Non, carrément. J'ai ajouté aussi. Okay. Voilà, on ne doit pas attendre d'être fort en anglais avant de commencer à parler. À parler. Voilà, c'est ça. Ok, c'est donc ça, il faut commencer, voilà. Faut commencer à bluffer, quoi. Voilà. Donc, Dao, il y a quelque chose, donc, ce qu'il vient de dire, je pense que c'est un atout, Donc, il faut toujours avoir quelque chose derrière. Il faut avoir une motivation derrière ton apprentissage de l'anglais. Oui. Si tu veux bluffer les gens, bon, c'est bien allé. Hein. Donc, tu te mets dans ta peau de bluffeur et puis tu apprends. Tu apprends à bien bluffer en ce moment. Ouais. Donc, tu apprends à bien bluffer. Et pour bien bluffer, il faut bien parler cette langue. Voilà. Sinon, je connais des gens qui bluffent en anglais, qui parlent. Si tu les vois en train de parler, tu vas jurer qu'ils sont en train de parler l'anglais. Pour quelqu'un qui ne comprend pas. Mm-hmm. Mais toi qui comprends la langue et tu les entends parler, tu vas dire que ça, c'est pas l'anglais. Ça, c'est une autre langue que les gens sont en train de... Bon, il y a aussi bluff dans bluff. Ok, carrément. Je commence à avoir peur de toi. Tu vas dévoiler son secret. Non, il est en train de dévoiler son secret, c'est pas moi. Ok, donc, voilà. Selon toi, quel ont été les difficultés que t'as surtout rencontré dans ton apprentissage de l'anglais? Voilà, tout d'abord, moi j'ai commencé l'anglais à partir de la 7e année. 7e année, ouais, tout et comme moi. Voilà. Mm-hmm. Donc, le problème que moi j'ai rencontré personnellement, c'est que c'est la prononciation. La prononciation. Parce que de la 7e année jusqu'à 9e année, c'est le début. Okay. Mais malheureusement, on était trop nombreux dans les classes. Ah ouais. À peu près. Les 80, classes pléthoriques. 70, 80. Nous-mêmes, quand on était en 9e année, on était 88. 88. Donc, ça fait que celui qui nous enseigne, il ne peut pas parler. Il ne peut pas atteindre tout le monde. Il ne peut pas atteindre tout le monde. Mm-hmm. Et moi,
La plupart des cas, moi, je m'asseyais dehors parce que j'ai une voilà, ouais, ouais, donc, t'es grand. Tout le temps, on nous envoie là-bas. Derrière. Donc, moi, je voulais écouter, comprendre. Là, pendant que notre maîtresse, ou bien notre professeur okay. nous enseignait, donc, pendant qu'elle lit, donc, moi, j'aimais écouter. Mais malheureusement, on est trop nombreux. Oh, il y avait certains souvent des bruits. Le gros problème est que la majorité même n'aime pas l'anglais. Donc, toi, tu es là, tu n'entends rien. Okay. Ça, tout le monde se rencontre comme difficulté réellement. Et ça fait que même quand je suis arrivé au lycée, quand les gens parlent, j'avais des vocabulaires. Quand c'est à l'écrit, c'était propre. Mais dès que tu commences à parler, j'étais déjà KO. Okay. Donc, parce que je ne comprenais pas. Voilà. Ok, bien. Mais comment est-ce que tu as pu voilà, dépasser ces difficultés-là? Parce qu'aujourd'hui, tu parles bien la langue. Oui. Tout d'abord, c'est l'amour. L'amour, ok. Vous savez, si vous avez l'amour pour une chose, vous allez vous donner. Vous allez vous sacrifier. Et sans le sacrifier, vous n'allez pas arriver. Okay. Et moi, je me suis sacrifié. Donc, moi... prendre l'anglais au sérieux, mais je ne peux pas dire que c'est au sérieux, mais prendre la décision de parler. J'ai commencé l'année dernière, tout près, 2021, au mois de février. Quel 2021 et 2020 plutôt. 2020, février 2020. Yeah. Donc, prendre la décision de parler l'anglais même. C'était... J'étais jaloux. Oh, ok, j'adore ça. Je l'ai dit une fois à la télé même. À la télé même, j'ai dit ça. Soyez jaloux. You know, be jealous if you see somebody speaking English. Be jealous if you see somebody speaking English. Ok. Ouais. I was so jealous. Ok. Quand moi je voyais quelqu'un parler l'anglais et que moi je n'étais pas à mesure de le comprendre ou bien de parler comme lui, là, j'étais furieux. Voilà, donc la jalousie doit te pousser à faire du bien. Et la jalousie l'a poussé à comprendre l'anglais. Ouais. Il faut que moi je prenne une décision. Okay. Et là, je me suis sacrifié. Le téléphone même que j'ai acheté, même là, le mois suivant, la galère qui m'a frappé à la porte là, c'était possible. C'était pas possible. Donc, à cause de l'anglais, tu as investi dans le téléphone pour pouvoir apprendre. Voilà, parce que fallait que moi j'ai des applications, fallait que j'ai Facebook, WhatsApp, tu vois. Impeccable. Donc, maintenant, un mois après, tu as téléchargé des trucs comme voilà, j'ai téléchargé des trucs, j'ai commencé à intégrer les groupes. Groupe WhatsApp, English group. Non, d'abord Facebook. Facebook, ok. Et on chat, j'ai chatté avec les gens. Donc, ça, c'est pas. Donc, c'est là-bas que tu es tombé sur moi. Voilà. Donc, maintenant, et un mois plus tard, je peux dire le troisième mois maintenant, non, oui, le troisième mois, en mois de mars, j'ai commencé à intégrer le groupe WhatsApp. WhatsApp, ok. Et là, j'ai vu qu'il y a des personnes dans le groupe où moi j'avais peur de parler alors que moi j'étais mieux que. Oh, oui, ok. Et c'est là même que ça m'a propulsé. Je me rappelle une petite histoire. La première fois quand j'ai rencontré peut-être la personne en train de me suivre, la même Guita, c'est un teacher. Ok. Donc, je l'ai rencontré sur Facebook. On a commencé à chatter et automatiquement, il m'a envoyé son numéro. Il dit de, on va commencer voilà, à parler en inbox. Et quand on a commencé à parler, c'était par texte, texto. Ah, ok. Et automatiquement, il m'a envoyé un vocal. Là, c'était... Amazing. Vous savez, je ne pense pas que si l'audio dépassait 10 secondes, mais je vous assure, j'ai pris combien de minutes pour pouvoir comprendre. Ok, c'était rapide. Je vous assure, j'ai dit, est-ce qu'il y a des gars au Mali qui peuvent parler anglais comme ça? Okay. La première fois aussi, quand je vous ai fait, j'ai dit, non, c'est pas possible ça. Il fallait que je parle. Et là, je me suis donné et aujourd'hui, I'm so proud. Proud of yourself. Yeah, really. Okay. Avec le sacrifice, avec l'amour, l'amour accompagné du sacrifice, vous allez gagner. Okay. JFK, l'ancien président américain. JFK, vous connaissez la Kennedy? Kennedy. John Fitzgerald Kennedy. Yeah, everybody. Kennedy a dit, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Donc, ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. Donc, lui, il était en classe, même
en dernière position, on va dire, en classe même. Donc, mais malgré tout ça, son amour pour l'anglais l'a poussé à être devant aujourd'hui. Donc, il n'est jamais tard quand même pour faire du bien. Donc, la condition, les conditions du pays font de telle sorte que souvent, on est défavorisé. Yeah. Mais il ne faut pas te laisser dans ces conditions pour abandonner. Donc, on peut décider d'avancer malgré ces dures conditions. Donc, c'est ça qu'il a fait. Donc, c'est ça que nous devons tous faire. Donc, il n'est jamais tard aussi pour faire du bien. Comme il a dit, c'est juste là, 2020, tout près, qu'il a pris la décision quand même. Pouf, je me jette dedans. C'est comme ça, il y a beaucoup de gens qui se disent, il y a de cela 40 ans, qui disent, bon, moi, je veux parler anglais, Exactement. Mais qui ne se mettent pas dedans. Tant que tu ne te mets pas dans l'action, bon, voilà, l'inaction va te brûler. Et puis, ça ne va jamais arriver. Voilà, je pense que c'était cool. Abdoul, t'as quelque chose à ajouter? Bon, je dirais, voilà, un peu d'histoire. Mm-hmm. Bon, ce que le monsieur vient de dire, okay. Bon, c'est totalement... similaire. Le contraire. Ah, le contraire. Voilà. Pour moi, depuis la 7e année, j'aimais l'anglais. Bon, j'aimais parler bien l'anglais. Et puis, depuis au lycée, mais j'avais accepté de faire des erreurs. Voilà. Partout okay. où j'y vais, voilà. Et, comment dire, j'étais, je parlais les langues. Donc, même si les gens se moquaient de moi, voilà. C'est ce qui a fait même que, voilà, tu me donnes une feuille, maintenant, tu me demandes de faire des vocabulaires ou de voilà, corriger des trucs. Je ne peux pas. Mais si tu me demandes de parler. Voilà, je pouvais bien parler. Ok. Oui. Impeccable. Ça, je le dis aussi, y a une différence entre apprendre et acquérir une langue. Donc, je pense qu'il vaut mieux acquérir une langue que d'apprendre une langue. L'apprentissage, c'est dur, ça demande trop de choses à la tête. Donc, c'est pour ça qu'on dit, l'enfant, il n'apprend pas. L'enfant, et carrément, il est là, il acquiert la langue en quelque sorte. Donc, il n'apprend pas. La concentration de l'enfant ne dépasse pas 10 minutes. Donc, il ne peut pas se concentrer sur un sujet bien précis. Donc, c'est pour ça qu'il parle très bien la langue. Il a tout, quoi. Tout ce qui vient, il amasse ça, il a ça dans sa tête. Donc, on dit tout le monde peut acquérir une langue, peu importe ton âge. Donc, c'est ça que les gens doivent comprendre. Il y a une petite boîte dans votre tête qu'on appelle LAD. Donc, Language Acquisition Device. Donc, c'est l'appareil d'acquisition d'une langue. C'est dans la tête de tout le monde. Donc, tout le monde peut acquérir une langue, peu importe ton âge. Voilà. Donc, je pense que tu as acquis la langue. Tu n'as pas appris la langue. Tu as appris, mais il y a les deux quoi chez toi. Il y a les deux chez toi. Donc, mieux vaut acquérir qu'apprendre quand même. Voilà. Je pense que c'est tout. J'aurais voulu passer plus de temps avec vous. Mais le temps, comme je l'ai dit, est toujours derrière nous. Mais on est derrière lui. Mais là, je pense que c'est derrière moi. C'est derrière toi. C'est derrière toi aussi. On doit quand même laisser le plateau. Ça a été un plaisir immense to be with you guys. You Thanks know, so I much. Really appreciate it. So I really think that we've shared great things, you know, with great lovers of English. J'espère qu'on a partagé des choses énormes avec vous, les grands amoureux de la langue anglaise. Donc, c'était encore moi, Mr. K, your teacher of English, avec Dao et puis Abdul. Yeah. I think that everything was all right. I think that you've learned a lot. Je pense que vous avez beaucoup appris. Et restez connectés. Il y a notre chaîne YouTube qui est We Love English. Donc, vous allez juste mettre ça, taper sur YouTube. We Love English in Mali. Donc, vous allez retrouver toutes les émissions réalisées ici. Donc, c'est chaque dimanche de 16h à 17h sur la télé fréquence santé 245 Malvision. OK. On dit quoi? We Love English. OK. Yeah. Et puis, goodbye everybody.